Dès les premières vignettes de l'album Fable de Venise d'Hugo Pratt, l'aventurier Corto Maltese fait une chute d'un toit et tombe dans un temple maçonnique en plein convent. Je n'ai pas rencontré la maçonnerie d'une façon aussi rocambolesque que le capitaine Maltais, mais pourtant c'est un peu en tombant du ciel que ça m'est arrivé, puisque c'est tout simplement, comme disait Beaumarchais, en me donnant la peine de naître. Je suis né à Metz, en Moselle, à la fin du règne du général de Gaulle. Metz est aussi une place forte de la franc-maçonnerie. M'intéressant à l'histoire, dont je fis profession, je n'eus pas à attendre longtemps avant de rencontrer l'influence de la maçonnerie dans la France contemporaine. J'ai écrit plusieurs articles sur ce thème dans la revue Historia, pour qui j'ai même interrogé en 2008 le grand maître du Grand Orient, Jean-Michel Quillardet. Question essentielle qui passionne les foules et les chercheurs, pourquoi y a-t-il ce fameux secret maçonnique? Et qu'est-ce que c'est? Que peut-on dire de la franc-maçonnerie en préambule ? Arrivée d'Angleterre sur le sol de France au début du XVIIIe siècle, cette société est parvenue à rassembler en peu de temps des gens de toute sensibilité politique et religieuse. L'un de ses objectifs avoués est de dépasser les dogmes religieux et de rassembler les hommes au-delà de leurs croyances en se fondant sur des symboles universels. Ce faisant, la maçonnerie n'a-t-elle pas, elle aussi, créé sa propre dogmatique et une morale bien à elle? La franc-maçonnerie est-elle un lobby, ou bien la religion de la République, comme l'a déclaré Vincent Peillon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement Hérault? La franc-maçonnerie est-elle un réseau de pouvoirs parallèles, pouvant se révéler dangereux? Pour que chacun puisse se forger son idée, il convient de faire le tour de nombreuses questions. Commençons, tenez, par voir ce que c'est de l'intérieur. Nous retrouvons à Paris le grand maître de la Grande Loge Nationale de France, Jean-Pierre Servel, à l'intérieur du Grand Temple. Il nous en fait la présentation. Nous sommes dans le grand temple de la Grande Loge Nationale Française. Vous avez l'entrée du temple avec les deux colonnes, Jacquin et Bose. Vous avez tout autour du grand temple les bannières de certaines loges ou de provinces de la Grande Loge Nationale Française. La colonne du Nord, c'est là où se tiennent les apprentis dans une attitude silencieuse. Et puis vous avez ensuite les compagnons qui se tiennent sur la colonne du sud. L'Orient, là d'où vient la lumière et où se tient le maître de la loge, le vénérable maître. Vous avez devant le plateau du vénérable maître, ici, une pierre brute qui symbolise l'apprenti sur lequel tout le travail est à faire. Et ici, l'idéal, c'est-à-dire la pierre cubique parfaitement ciselée, qui est le but vers lequel nous tendons, un but de perfectionnement intérieur. Dans la franc-maçonnerie, les symboles ont une importance cruciale. À quoi servent-ils ? Ont-ils une signification spéciale ou peut-on les interpréter à loisir ?
le maçon, auteur et éditeur Jean Solis nous explique la symbolique du tapis de loge dans un temple situé discrètement en banlieue de Toulouse. Évidemment, on pourra toujours nous reprocher de donner des explications sur les symboles très importants qu'on voit sur le tapis de loge. Mais d'abord, ces explications demeurent très sommaires, parce que si on rentrait vraiment dans le détail de la philosophie maçonnique, on perdrait complètement nos auditeurs, nos spectateurs, dans des considérations auxquelles ils ne sont pas habitués. Puis surtout, quoi craindre de montrer de ces symboles? Le profane, comme on l'appelle, ne peut rien en faire de mal ni de négatif. Ce qui est à déplorer, c'est plutôt que tous ces symboles, il y a beaucoup de maçons qui n'en font pas grand cas, en réalité. Ce tapis de loge qui est au milieu de la loge est la représentation à la fois de l'univers spirituel, de la création du grand architecte de l'univers, et de la loge elle-même, donc c'est une mise en abîme. Le fait d'y être confronté, de les regarder, d'en parler, de les gloser, ces symboles nous permettent que nous rentrions à l'intérieur et nous permettent de provoquer en nous une certaine forme d'éveil à ce qu'ils véhiculent, et d'autre part de provoquer entre nous des formes de discussion, des formes de dialogue sur la façon dont nous allons pouvoir, entre guillemets, progresser. Tout en haut de l'est, côté nord, la lune, en face, le soleil, qui ont parmi de multiples significations pour fonction de dire que sur la Terre, il y a toujours des francs-maçons au travail, ça symbolise le cycle de la lumière, le cycle des journées. Vous avez l'équerre qui représente la rectitude, qui est l'outil, l'instrument plutôt du Vénérable Maître. Vous avez l'étoile flamboyante avec le G, signifie le rayonnement du Dieu créateur et protecteur, puisque ce G vient de la franc-maçonnerie anglo-saxonne et veut dire God. Un peu à gauche de l'étoile, la perpendiculaire, c'est-à-dire l'outil du surveillant qui symbolise la verticalité, la spiritualité, la transcendance. Et en face, le niveau, alors pas le niveau à bulle, à l'époque les francs-maçons bâtisseurs utilisaient ce type de niveau triangulaire en bois avec un pendule au milieu, qui signifie, entre autres choses, que tous les maçons se rassemblent sur le niveau de l'égalité, ou d'autre part, que la mort nivellera toutes nos différences sociales. J'ai peu d'amis maçons ou même anciens maçons. Mais quand j'étudie ce sujet, je ne peux m'empêcher d'aller interroger mon ami Stéphane Blais, pianiste et compositeur de renommée internationale, ancien élève de Byron Janis et de Vladimir Horowitz. Il a été initié et est ressorti de la maçonnerie quelque peu dépité. Est-ce que la maçonnerie prête un pouvoir aux symboles à partir desquels elle se développe ? Tout est symbole, et l'art est symbole. Une note de musique, un accord, c'est un symbole. C'est quelque chose qui fait appel à des résonances, des vibrations. Tout est symbole dans la vie. Donc il est logique que ça fascine les musiciens aussi, les architectes, les poètes. Tout est symbole non seulement dans la franc-maçonnerie, mais partout. Dans le magnifique parc Monceau, s'élève une pyramide et divers monuments d'inspiration maçonnique. Ce parc a été voulu par Philippe d'Orléans, premier grand maître du Grand Orient de France, qui était également propriétaire du Palais Royal. Paris, ville maçonnique. La Tour Eiffel, symbole français par excellence. L'idée de l'édification de cette pyramide de métal pour l'exposition de 1889 a germé au sein d'une loge maçonnique. Pour imprimer des idées fortement dans l'esprit, il faut utiliser des symboles. Et le symbole, c'est, si je fais un petit peu de psychanalyse de comptoir, c'est un objet transactionnel. Le premier conservateur du musée du Louvre, l'égyptologue Dominique Vivant Denon, était franc-maçon. La célèbre pyramide de Pei s'intègre parfaitement dans l'ensemble, même si l'architecte chinois n'était vraisemblablement pas maçon. Le Panthéon a été bâti sous Louis XV par l'architecte franc-maçon Jacques-Germain Soufflot. En 1791, cette ancienne église a été dédié aux grands hommes de l'époque de la liberté française. Chacun sait que l'on ne gouverne pas avec des faits, mais on gouverne avec des symboles. La Concorde est marquée en son centre par l'obélisque de Louxor, dont le transfert d'Égypte en 1839 a été organisé par le franc-maçon Isidore Taylor. Vous avez des gens comme Chirac, qui ont été des gouvernants exécrables, en tout cas dilettantes, et qui aujourd'hui sont
aimé des Français, regretté par les Français, parce que c'est quoi Chirac? C'est un symbole. C'est un bon gars qui aime bien la cuisse, qui aime bien la bière, qui aime bien la choucroute. Ben ça, c'est un symbole. Revenons à l'histoire de France, puisque nous avons choisi de nous interroger sur la France maçonnique. Le jésuite Augustin Barruel a prétendu que la Révolution française fut un projet et une réalisation maçonnique. Il offre des arguments. Ainsi, Louis-Philippe, duc d'Orléans, cousin du roi, premier prince du sang, élu grand maître et organisateur du Grand Orient de France, mena une part active dans la Révolution depuis le Palais Royal, qu'on appelait alors l'anti-Versailles. Qui veut tout dire. Membre du club des Jacobins, il abjura le nom d'Orléans, prit officiellement celui de Philippe Égalité durant la Convention, et vota la mort du roi, qui fut condamné à la guillotine à une voix près, celle justement de ce trop ambitieux cousin. Pour savoir comment la France a été transformée, bouleversée par la Révolution de 1789, pétrie d'idéal maçonnique, je suis allé voir Pierre Hillard, essayiste du camp traditionnaliste et docteur en sciences politiques. Qu'est-ce qui a changé dans notre pays depuis 1789? Quelle est la nature de cette coupure, de cette brisure, qui est parfaitement assumée par les principaux courants du maçonnisme, puisqu'on nous parle sans cesse d'un avant et d'un après 89, l'ancien régime étant censé être une période d'obscurité et de ténèbres, alors que la Révolution nous est présentée comme le triomphe de l'esprit des Lumières et de la liberté? . 1789, c'est pas uniquement les révoltes, la prise à Bastille, etc. C'est avant tout le changement d'un modèle, la rupture plus exactement d'un modèle de civilisation qui est né, dans le cas de la France, avec le baptême de Clovis. Et dans cette histoire, il y a ce principe absolument clé qu'il faut vraiment retenir, c'est que la conversion de Clovis fait que le roi de France, et ça va être le principe répété jusqu'à Louis XVI, le roi de France est le lieutenant du Christ. Mais les élites françaises du XVIIIe siècle étaient, à une écrasante majorité, imprégnées de l'idéologie maçonnique, avec en particulier un des plus grands princes, le cousin du roi Louis XVI, Philippe Égalité, qui sera d'ailleurs le grand patron du Grand Orient de France. On ne peut nier que ce grand chef maçon changea durablement le sort de la France. Il en est de même pour le créateur de notre hymne national, la Marseillaise, Rouget de Lille, mais aussi de Danton, de Marat, de Lafayette, qui intégra la couleur blanche dans notre drapeau national, du comte de Mirabeau, qui écrivit le préambule de la très maçonnique Déclaration des droits de l'homme, du peintre David, et de nombreux autres personnages de cette époque, comme Joseph Ignace Guillotin, le créateur de la guillotine, ou Isaac Le Chapelier, qui fit interdire les corporations et rédigea le serment du jeu de paume. La franc-maçonnerie a-t-elle eu un rôle particulier dans la Révolution française? Il est difficile de le faire dire aux principaux intéressés. Je pense qu'on prête peut-être un peu trop à la maçonnerie, notamment dans le rôle qu'elle aurait pu jouer dans la Révolution de 1789. Je crois que la présentation est souvent exagérée. Peut-être ce rôle est-il en réalité mineur. La franc-maçonnerie française a eu la chance et l'honneur de comporter en son sein ce qu'on appelle par raccourci des grands hommes. Sous le Premier Empire furent maçons de nombreux ministres, préfets, des membres de la famille Bonaparte, Joseph, Louis, Jérôme et peut-être Napoléon lui-même, comme en tout cas sa femme l'impératrice Joséphine et comme le fut plus tard son neveu le Carbonaro Napoléon III. Il y a beaucoup d'autres individus qu'on pourrait citer, alors après plus ou moins discutables. Par exemple, tous les maréchaux d'Empire de Napoléon étaient maçons. Il a fait mettre sous tutelle l'ensemble de la franc-maçonnerie de l'époque par l'archichancelier Cambacérès. On doit toutefois à la vérité de dire que durant la terreur robespierriste, les loges sont entrées en sommeil.
et surtout que les maçons ont appartenu à tous les camps, y compris au camp royaliste, à commencer par l'amant de la reine Marie-Antoinette, le bel Axel de Fersen, le grand chef vendéen Charette, qui fut à la tête de l'armée catholique et royale. C'est bien, mais moi ça ne me plaît pas qu'on en parle comme ça, je vais vous dire pourquoi. Les théoriciens contre-révolutionnaires Joseph de Maistre, ou l'Irlandais Edmund Burke, ou encore, mais oui, les deux rois de la Restauration, que furent Louis XVIII et Charles X. Si ces gens-là se sont fait remarquer par leur qualité dans l'histoire, ça n'est pas parce qu'ils étaient francs-maçons, c'était parce qu'au départ, c'était des types bien. Au XIXe siècle, les choses se raidirent. Il est ordinairement admis que la révolution de 1830, puis celle de 1848, furent inspirées par les idéaux maçonniques. C'est alors que fut adoptée la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Cette devise est aussi celle de la Grande Loge de France et du Grand Orient, et ce n'est pas un hasard. Au XIXe siècle, l'obédience française la plus importante, c'est le Grand Orient de France, évidemment. Alors, celui-ci, dans les années 1870 et suivantes, 1877 plus précisément, a coupé un certain nombre de références, notamment la référence obligatoire au grand architecte de l'univers. Et dès lors, cette franc-maçonnerie française, qui a joué un rôle politique essentiel, important et bénéfique même, cette franc-maçonnerie française s'est trouvée un peu mise à l'écart, évidemment, par la franc-maçonnerie régulière que j'évoquais il y a un instant. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, en 1913, la naissance de la Grande Loge Nationale Française, puisque celle-ci a fait retour à l'exigence de la croyance en Dieu, de la référence au grand architecte de l'univers pendant les travaux maçonniques. C'est la Troisième République, triomphe du Parti radical, qui vit en France le début du véritable règne de la maçonnerie. C'est Arago, membre du gouvernement de la Défense nationale en 1870, c'est Léon Bourgeois, président du Conseil des ministres, c'est Adolphe Crémieux, qui accorda la citoyenneté française aux 35 000 juifs d'Algérie, mais pas aux natifs algériens musulmans, c'est Gambetta, président du Conseil, et c'est encore Jules Ferry, président du Conseil lui aussi, promoteur de l'école publique gratuite et obligatoire, mais aussi partisan de la colonisation française. L'empire colonial français sera œuvre maçonnique, décrié tant par l'extrême gauche que par les royalistes comme Charles Maurras. Au début du XXe siècle, chez les radicaux, 3 sénateurs sur 4 et 1 député sur 2 sont maçons. L'un des plus gros scandales de cette époque, outre l'affaire Dreyfus, et l'affaire des fiches entre 1900 et 1904, les officiers français, soupçonnés d'aller à la messe, sont fichés et pourchassés en raison de leurs opinions politiques, mais surtout religieuses. Aux fonctionnaires et hommes politiques engagés à droite, créateurs du club de réflexion Polémia, Jean-Yves Le Gallou se présente comme un réinformateur. Il a rencontré la franc-maçonnerie d'une curieuse manière, dans le cadre de son travail au ministère de l'Intérieur. L'histoire des fiches, c'est en 1905, quand le ministre de la Défense de l'époque, Grand Orient de France, demandait le fichage des officiers, pour savoir notamment s'ils allaient à la messe ou à défaut si leur femme y allait, etc. Les plus élégants des officiers répondaient qu'ils ne le savaient pas puisqu'ils étaient au premier rang. Mais tous n'ont pas eu cette élégance. Alors ça a eu quand même, l'affaire des fiches a eu une conséquence tout à fait gravissime. Tout à fait gravissime. C'est que dans la période qui a précédé la guerre de 1914, on a sélectionné beaucoup de généraux, de colonels et de généraux sur des critères politiques. On promouvait sans doute ceux qui étaient francs-maçons et ceux qui se soumettaient servilement à ce pouvoir. Et le résultat a coûté très cher en 1914, puisqu'il a fallu remplacer, quelques mois après le début de la guerre, 150 généraux qui étaient totalement incapables. Et donc, cette politisation de l'armée
dans la période qui a précédé la guerre de 14, et cette soumission de l'armée au Grand Orient de France dans la période qui a précédé la guerre de 14, a coûté des dizaines de milliers de morts. Avant 1904, ce que peu de gens savent, au Grand Orient, il y avait une obligation de croyance en Dieu, qui n'a été supprimée qu'en 1904 par Desmond. C'était Desmond, le grand maître à ce moment-là. Et puis finalement, le Grand Orient s'est à un tel point laïcisé que même le concept du grand architecte de l'univers a été supprimé. Parce que même, c'est un concept, hein, ça ne signifie pas du tout Dieu, en tout cas pas obligatoirement. On se perd en conjectures sur la notion étrange du grand architecte de l'univers. Pour Jean-Pierre Servelle, grand maître de la Grande Loge Nationale de France, tout est pourtant très simple. La référence au grand architecte de l'univers est très simple à la Grande Loge Nationale Française, qui est théiste par nature. Le grand architecte de l'univers, c'est tout simplement Dieu, c'est le Dieu de la religion du livre, c'est-à-dire... que les serments sont prêtés sur, essentiellement sur la Bible, le Coran ou la Torah. L'idéologie maçonnique s'oppose radicalement au concept catholique. Déjà, la primauté de l'homme est un élément absolument contraire à la pensée catholique, puisque normalement dans le catholicisme, le Christ est le centre de toute chose. Mais il faut savoir que la pensée maçonnique, c'est le naturalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance d'une religion révélée. Et le catholicisme est la religion détestée, abhorrée par l'idéologie maçonnique, car elle affirme, la religion catholique, l'existence d'un Dieu, Christ, fils de Dieu incarné, mort et ressuscité. Pour l'idéologie maçonnique, c'est une horreur à bannir. Dès 1738, le pape Clément XII avait fulminé une bulle excommuniant les frères. Mais la guerre ouverte n'avait pas eu lieu. Les maçons Montesquieu, d'Alembert, d'Holbach et Voltaire, un maçon sans tablier, initié seulement 2 mois avant sa mort, menèrent un combat larvé et prudent contre l'alliance du trône et de l'autel. Dès le départ, il y a eu une espèce de braquage de la religion chrétienne en général, mais particulièrement du catholicisme romain contre la franc-maçonnerie. Pourquoi ? C'est parce que personne n'a eu le courage jusqu'à présent de faire la démonstration, et j'y travaille et je vais y arriver, ainsi que quelques amis, que la franc-maçonnerie ne se fonde pas sur une croyance, quelle que soit cette croyance, c'est-à-dire on croit en Dieu, c'est une croyance, mais attention, on ne croit pas en Dieu, c'est une croyance, c'est croire qu'il n'existe pas. Comme l'essence divine n'est que ontologique, elle n'existe qu'en soi, de façon croire ou ne pas y croire, pour moi, c'est no way. Ça n'est pas un sujet, ni un objet, ni un sujet. Ce qui est important, c'est ce qu'on connaît. Vous avez la Bible qui est tournée pour être lisible du côté du Vénérable Maître, la Bible qui symbolise la loi divine, la loi naturelle, si l'on veut, qui doit être l'ultime loi pour tout franc-maçon et dont le Vénérable Maître est garant dans la loge. Et bien sûr, l'équerre de la rectitude et de la perfection terrestre est le compas de l'élévation de l'esprit. La franc-maçonnerie est une gnose, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur une connaissance intime et intérieure d'un certain nombre d'objets mythologiques qui sont des médiateurs vers le grand ça, vers ce grand inconnu, vers ce tout autre, et que ce doute fondateur a été précisément, et c'est pour ça que j'en reviens au point de départ, la base même, en tout cas ce dialogue intérieur, pas ce doute fondateur, est à la base même de la querelle entre l'Église de Rome et les premiers francs-maçons, est quelque chose qui dure, parce que les francs-maçons travaillent en principe sur la Bible, tous leurs rituels sont issus de la Bible, sans aucune exception. Alors avec plus ou moins de densité, de report de temps, mais je viens d'écrire un bouquin là-dessus, vous ne pouvez pas sortir un degré de maçonnerie qui se dispense de la Bible, quel que soit le rite. Eh bien, on demande aux catholiques romains de croire sans discussion des choses qu'on leur raconte. On demande aux francs-maçons de rentrer dans la Bible, de la lire, de la penser, de la vivre, d'incarner ces personnages.
Et ça, typiquement, c'est une gnose. Que voulez-vous? Vous avez déjà vu un pape qui aime que ses oies y réfléchissent? Non, ça se saurait. Pourquoi y a-t-il cette obsession maçonne de la laïcité qui donne à penser que l'éloge s'oppose à toute pensée religieuse traditionnelle? Est-ce que la maçonnerie est la religion de la République? Car de fait, si elle l'est, on peut considérer que c'est aussi une sorte de contre-religion, ou tout au moins de pensée religieuse s'opposant à d'autres courants, je pense en particulier au catholicisme romain sur lequel la France s'est bâtie depuis Clovis. François Peillon a pu dire la franc-maçonnerie est la religion de la République. Alors c'est peut-être valable pour le Grand Orient de France, mais je ne veux pas parler en son nom, mais certainement pas pour la Grande Loge nationale française. D'abord, la maçonnerie n'est pas une religion et elle ne s'investit pas dans la scène politique. Que Vincent Peillon déclare que la franc-maçonnerie est la religion de la République, bien grand lui fasse. Ça soulève plusieurs problèmes parce que ça voudrait dire finalement que la franc-maçonnerie s'ajoute en tant que mouvement religieux à une autre liste, un autre empilement de mouvements religieux et que de fait de la laïcité, de la loi de 1905 et puis des amendements qui ont été produits par la suite en 1906 et 1907, il y aurait deux sortes de religions en France, les cultes finalement traditionnels et la franc-maçonnerie. Autrement dit, la France ne serait pas un État laïque. Je suis désolé, si on pousse ce raisonnement à fond, la France n'est pas un État laïque. Or, d'ailleurs, je pense personnellement que la France est une très mauvaise laïcité, et c'est un autre débat. Si en plus il fallait dire qu'il y a une espèce de religion qui fait exception, non, ça n'a pas de sens. Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que la franc-maçonnerie est avant tout un système initiatique, que en tant que tel, il doit coexister discrètement et dans la légalité avec toute autre forme de système philosophique au sein d'un État, d'une république ou d'une monarchie, peu importe. Défendre la laïcité au sens de défendre le droit de chacun à croire ou ne pas croire, c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui se passe, en tout cas, je trouve. Là, on a un dérapage vers le laïcisme, c'est-à-dire ce que Peillon appelait la religion du XXIe siècle, et on est nombreux quand même à penser que la franc-maçonnerie n'est pas là pour ça. Et que la laïcité et le laïcisme, ce sont deux choses vraiment bien différentes. Il ne faudrait pas que la franc-maçonnerie devienne une machine de guerre contre les religions, ce n'est pas son rôle. Et en plus, quand on sait de quoi elle est née, et ses légendes, ses rituels, etc., il y a quand même un dérapage, à mon sens. Je ne suis pas le seul à le penser, je suis peut-être un des seuls à le dire, mais on est nombreux à le penser à l'intérieur ou à l'extérieur de la franc-maçonnerie aujourd'hui.